cigarette ? Non, merci, je ne fume pas. Je n'arrive pas à aimer cela. Quel dommage pourtant fumer des temps. Surtout dans votre travail. Je sais, j'enrage. Ne pas fumer me tue. Je vais réessayer, je vous le promets. Aujourd'hui, on parle cigarette, ou plutôt de sa disparition possible des écrans français. C'est l'idée lancée par une sénatrice et reprise par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Elle ne comprend pas, et je cite, « l'importance de la cigarette dans le cinéma français ». Selon la Ligue contre le cancer, 7 films sur 10 présentent des acteurs qui fument. Une banalisation qui pousserait les gens à consommer davantage. Qu'elle soit utilisée par un personnage aguicheur, intrigant, pensif, angoissé ou juste énervé, la cigarette est réellement omniprésente. Alors, empêchera-t-on les acteurs de s'allumer à l'écran ? Risque-t-on de manquer une sensuelle présentation enfumée comme celle de notre espion britannique préféré ? Mr. Bond. James Bond. Pour le moment, rien n'est décidé, mais des mesures anti-tabac risquent bien de tomber, Odile. Mais allez imaginer à quoi le cinéma français ressemblerait sans son tabac. Imaginez le classique « À bout de souffle » de Godard sans les volutes de fumée autour de Belmondo, Gainsbourg, vie héroïque sans son éternelle cigarette, ou encore Catherine Deneuve privée de sa dose de nicotine. Et certains redoublent cependant d'inventivité pour éviter la cigarette à l'écran. Oui, c'est d'ailleurs le cas dans cet extrait de la Cité de la peur. Mademoiselle de Ray, il est interdit de manger de la choucroute ici. Ah, et qu'est-ce que vous allez me faire ? Me coffrer pour manger de choucroute prohibée ? En tout cas, moi, si je devais retenir une chose du discours d'Agnès Buzyn à l'Assemblée, ce serait ça. C'est pour qui les cigarettes ? C'est pour les tapettes ! C'est une tapette ? Non, je suis pas une tapette ! J'ai pas entendu ! Je suis pas une tapette ! Viens ! Et les clopes, c'est pour qui les clopes ? Pour les salopes ! Et toi, t'es une salope ? Non, je suis pas une salope ! Viens ! Alors avant de partir, on n'oublie pas que... Le tabac, c'est à vous ! On en viendra tous à vous ! Si la clope a des effets néfastes, le cinéma, lui, n'est normalement jamais mauvais pour la santé. Et tout cela ne reste pour le moment qu'une idée, évidemment. Merci Odile.